Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Banambula, consultant réglementé en immigration canadienne. Nous décortiquons aujourd'hui la nouvelle qu'a annoncé le gouvernement du Canada au sujet du nouveau programme qui va accueillir jusqu'à 90 000 nouveaux résidents permanents au Canada. Il y a quatre politiques d'intérêt public qui ont été annoncées, donc nous allons les décortiquer avec vous avec deux vidéos qui vont chacune entrer dans les détails des deux politiques d'intérêt public, les critères d'admissibilité et ce qui a motivé le gouvernement du Canada à se lancer dans ce nouveau programme. Et vous le savez, nous l'avons déjà indiqué dans notre vidéo précédente qui concerne cette annonce. Nous avons parlé de la motivation et des objectifs du gouvernement du Canada. En fait, il y a le plan d'immigration qui a été annoncé l'année dernière, en 2020, pour les trois prochaines années. Le Canada doit accueillir jusqu'à 1,2 million de nouveaux immigrants. Ils sont répartis sur trois ans. Donc, pour l'année 2021, jusqu'à 400 000 nouveaux immigrants doivent être accepté, établi au Canada. Et donc malheureusement, en raison des fermetures des frontières de la, dues à la COVID, nous ne pouvons malheureusement pas accueillir des immigrants de l'extérieur. Et donc le gouvernement se retourne vers l'intérieur pour regarder les euh, gens qui sont au Canada en situations temporaires qui sont régulièrement euh, acceptés au Canada mais qui sont en situation temporaire c'est-à-dire soit des visiteurs des travailleurs étrangers temporaires ou encore euh, des étudiants ces gens-là s'ils respectent répondent à certains critères d'admissibilité ils peuvent demander la résidence permanente et c'est un euh, programme c'est une voie d'accès Accélérer, c'est-à-dire, ça permet à ces travailleurs temporaires de demander la résidence permanente et peut-être l'obtenir plus rapidement. Alors, nous allons regarder dans les détails les critères d'admissibilité à ces programmes, les quatre politiques d'intérêt public qui ont été annoncées, euh, qui euh, porte sur les étudiants étrangers, sur les travailleurs étrangers qui sont sur les territoires canadiens. Donc, allons-y ensemble regarder les critères d'admissibilité afin de nous permettre de savoir euh, si vous pouvez être admissible à cela. Et donc, vous pouvez voir ici la politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada hors. Québec. Donc, important de savoir que cette politique euh, se limite à ceux qui sont au Canada et qui sont en dehors du Québec. Malheureusement, le Québec ne participe pas à ce programme-là. Donc, vous pouvez voir ici, euh, le Canada avait annoncé son intention d'accueillir jusqu'à 401 000 nouveaux immigrants permanents en 2021 dans le cadre de son plan de niveau de 2021 à 2023. Alors, ce qui est important ici, c'est de savoir, ces étrangers sont déjà employés au Canada et contribuent au marché du travail conformément aux objectifs du programme d'immigration économique au Canada. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement se retourne vers l'intérieur pour regarder ceux qui sont déjà au Canada afin de euh, d'aller les recruter, d'aller euh, convertir leur statut plutôt que d'aller chercher ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, vous pouvez voir ici que euh, les demandes de résidence permanente continuent malgré la pandémie, mais cela a quand même retardé euh, l'attribution de cette résidence permanente à un grand nombre à cause des restrictions euh, globales en matière des voyages. Voyez? Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de regarder ceux qui sont déjà... Au Canada pour euh, leur accorder cela. Mais ce qui est aussi important ici de savoir, c'est de s'assurer que vous euh, occupez, que vous occupez un poste essentiel, okay, au Canada. Alors quelles sont les conditions Voici les critères d'éligibilité pour les, de, les demandeurs principaux. Parce qu'il faut se rappeler que les euh, membres de famille également peuvent être acceptés si le demandeur principal est accepté, donc les membres de famille qui soient à l'intérieur au canada ou à l'extérieur aussi longtemps qu'ils aient été euh, déclarés comme étant membres de famille et, et qu'ils répondent à la définition de ce que c'est ce qu'un membre de famille, donc pour l'instant nous regardons les critères pour les demandeurs principaux, donc vous devez avoir accumulé au moins une année d'expérience de travail à temps plein, ou l'équivalent pour un travail à temps partiel. Donc, l'équivalent, euh, le travail à temps plein est considéré comme un travail de 1560 heures. Donc, 1560 heures est considéré comme cela. Et ça doit être dans une profession, une des professions jugées essentielles qui figurent sur l'annexe A ou B. Nous allons regarder les annexes tantôt, mais pour l'instant, retenez euh, ça. Alors, il y a le volet A. C'est-à-dire, l'année d'expérience de travail doit avoir été acquise dans au moins une de professions figurant dans l'annexe A. Il y a également le volet B. Donc, si vous avez une année d'expérience dans le volet A, vous ne, peut, vous ne pouvez pas le combiner avec l'expérience du volet B. Okay? La catégorie ou l'expérience de travail que vous avez acquise dans le volet A, donc nous allons regarder l'annexe A. Vous ne pouvez pas le combiner si vous avez travaillé à temps partiel, par exemple, et que vous avez moins d'une année d'expérience. Vous ne pouvez pas les combiner avec l'expérience du volet B. Par contre, si vous avez l'année d'expérience du volet B, vous pouvez le combiner avec les, 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 la profession qui est annoncée dans le volet A ou bien dans l'annexe A. Donc, les deux peuvent se combiner. D'accord J'espère que ça ne vous mélange pas. Deuxième critère, vous devez occuper un emploi au Canada, dans une profession quelconque, au moment de la réception de la demande de résidence permanente. Voilà, ici, la profession n'est pas spécifiée. C'est bien indiqué dans une profession quelconque. Et encore, on dit au moment de la réception de la demande. Donc, vous devez être en train de travailler lorsque vous soumettez votre demande. L'emploi visé dans A et B, c'est-à-dire A et B en haut, doit satisfaire à la définition du travail du paragraphe 73. Bon, ça, on entre dans les euh, termes techniques. Condition numéro 4, vous devez avoir obtenu le niveau 4 pour votre test de langue. OK? Ça, c'est très important ici. Vous devez savoir que c'est un critère important fait partie, qui fait partie de la liste. Donc, vous devez avoir déjà les résultats de vos tests de langue. Si vous n'avez pas encore subi vos tests de langue, c'est le moment d'aller le faire et vous devez comprendre que 90 000 personnes ont la possibilité de devenir résident permanent. Donc imaginez combien de personnes vont devoir, vont chercher à, à faire ce test-là s'ils ne l'ont pas encore fait. Voilà pourquoi j'insiste pour dire qu'il faut s'y prendre rapidement. Pour apprêter votre dossier. Parce que si vous n'avez pas les résultats de votre test, vous ne pouvez malheureusement pas euh, soumettre un dossier complet parce qu'il va vous manquer les résultats de ces tests-là. Or, c'est un critère comme vous pouvez le voir. Et donc, critère numéro 5, vous devez résider au Canada à titre de résident temporaire. OK? Si votre statut n'est pas valide, vous devez satisfaire aux critères permettant de le rétablir. Bon, ça c'est encore des technicalités. Vous avez perdu votre statut, si vous êtes dans un de ces euh, cas-là, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, nous allons vous aider Balkan Immigration Services. Et l'autre condition associée à celle-là, vous devez vous trouver au Canada au moment de la réception et de l'approbation de la demande de résidence permanente. Donc si vous n'êtes pas au Canada, malheureusement, vous ne pouvez pas euh, bénéficier de cela. L'autre critère, vous devez avoir l'intention de résider dans un territoire ou une province autre que le Québec. Je vous ai dit tout à l'heure que le Québec, malheureusement, ne fait pas partie de ce programme et le Québec n'est pas considéré dans le cadre de ce programme parce qu'il y a des ententes entre le Québec et le gouvernement fédéral et malheureusement le Québec ne fait pas partie de cette entente ici. L'autre critère, vous devez avoir présenté une demande de résidence permanente à l'aide des formulaires fournis par le ministère. Donc, il y a des formulaires bien spécifiques pour euh, ce, euh, ce programme. Et vous devez aussi soumettre la demande en question dans le cadre de, ce, de cette euh, politique d'intérêt public. Et donc, vous devez avoir présenté la demande de résidence permanente en vertu de cette politique. C'est ce que je viens d'indiquer. Enfin, vous ne devez pas être interdit de territoire au Canada. Ça veut dire au regard d'autres de, euh, de, critères d'admissibilité en ce qui concerne la sécurité, par exemple, et la santé au Canada. Ça, ça résume en gros les critères d'admissibilité pour ce programme ici, pour les euh, travailleurs euh, au Canada. Et donc, vous pouvez, comme nous l'avons indiqué ici-là, euh, faire venir les membres de la famille, il y a également pour les membres de la famille des critères d'admissibilité. Euh, si l'étranger se trouve au Canada, par exemple, et puis euh, si l'étranger, là on parle de l'étranger, ici c'est le membre de la famille, s'il si se trouve au Canada, ou bien figure parmi la liste, pas ou bien, et figure parmi la liste des membres de la famille qui accompagnent le demandeur dans la demande de résidence permanente. Et si l'étranger en question, c'est-à-dire le membre de famille, répond à la définition de membre de famille, et si l'étranger, c'est-à-dire le membre de famille, n'est pas interdit de territoire non plus, vous devez aussi vous rappeler qu'un agent a déterminé que le demandeur principal, parce que le membre de famille est lié à la demande du demandeur principal. Donc si un agent a déterminé que le demandeur principal satisfaisait à toutes les conditions, donc les critères d'admissibilité, et donc, le membre de famille pourrait aussi bénéficier de cela. Pour les membres de la famille qui sont à l'étranger, c'est à peu près la même chose. Vous voyez les critères. Ici, l'étranger qui réside à l'étranger est inclus à titre de membre de la famille dans, une, dans la demande. OK? Et puis, l'étranger répond à la définition de, la de, de membre de la famille. Et l'étranger n'est pas interdit euh, de territoire au Canada. Et si un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfaisait aux critères. Alors, regardons maintenant euh, ici les plafonds de demande. Ici, les plafonds de demande. Pour le volet A, il y a jusqu'à 20 000 de demandes qui vont être acceptées. Ou bien jusqu'à la date finale. La date finale, c'est le 5 novembre. Mais si la, le, le plafond de 20 000 est atteint avant le 5 novembre, et bien entendu, le programme va fermer. Pour le volet B, il y a jusqu'à 30 000 demandes qui vont être acceptées. Donc ça fait un total de 50 000 pour ces deux volets-là. Et nous étions en train de regarder le critère pour l'octroi des résidents permanentes pour ceux qui se trouvent déjà au Canada et hors Québec et qui ont acquis une expérience de travail, c'est-à-dire les étrangers qui ont une expérience de travail au Canada. Et donc, regardez maintenant les professions dans l'annexe A. Nous allons passer très rapidement. L'annexe A, ce sont les professions admissibles liées à la santé. Vous pouvez voir ici, par exemple, il y a les infirmiers autorisés, omnipraticiens, dentistes, optométristes, chiropraticiens, les pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes. Il y en a beaucoup. Technologues en radiologie, en, pardon en radiation médicale. Vous avez les hygiénistes dentaires, opticiens, praticiens, personnel ambulancier, massothérapeutes, assistantes dentaires, psychologues. Donc vous avez une panoplie de professions là-bas. Les travailleurs sociaux également euh, sont inclus. Dans l'annexe B maintenant, ce sont les autres professions jugées essentielles. Donc il ne s'agit pas Uniquement de la santé, mais des autres. Alors, vous voyez même des caissières, il y a des caissières qui sont autorisées maintenant à soumettre la demande de résidence permanente dans le cadre de ce programme. Vous avez les préposés dans, euh, à des stations de service, vous avez les euh, des entrepreneurs, vous avez des contremaîtres en électricité et en télécommunication. Les entrepreneurs en charpenterie, vous avez, euh, pour ceux qui ont de l'expérience, en, en les tauliers, okay? les, euh, les monteurs, les monteuses, vous avez les soudeurs, les soudeuses, les électriciens. Donc, c'est toutes ces catégories-là, les plombiers. Et ça, c'est ce qu'on appelait généralement les gens qui avaient, qui étaient de la catégorie... Euh, euh, inférieure, on peut dire moins qualifiée si vous voulez. Vous savez, la, cla la classification nationale des professions comporte euh, la classification, donc la catégorie euh, 0, A, B, il y a également C et D. Et donc, certains euh, qui sont sur cette liste ici figurent dans la catégorie C et, et, et D. Et donc, à ce moment-là, vous avez la chance de demander la résidence permanente. Vous pouvez le voir, la liste est longue ici. Il y a également les ébénistes, vous avez les vitriers, il y a également les personnels d'entretien des canalisations d'eau, vous avez les euh, débardeurs, les débardeuses, vous avez les chauffeurs-livreurs. Okay, même ceux qui font la livraison, les chauffeurs de taxi également, les conducteurs d'autobus et opérateurs économiques. Donc la liste est vraiment longue et le gouvernement ratisse large pour permettre à un grand nombre d'être inclus. Les agents de pistes aériennes, vous avez les aides de soutien des métiers de manœuvre, vous avez les manœuvres à la récolte, vous avez les manœuvres de mines, vous avez également ici. Euh, dans ce sous-groupe ici, les préposés à l'entretien ménager, okay? vous avez les concierges, les ouvriers agricoles, les matelots, vous avez en tout cas la liste est très longue. Alors ceci est pour vous dire que vous pouvez également avoir la chance de soumettre la demande de résidence permanente. Rappelez-vous, il faut vous apprêter, apprêter votre dossier. Vous avez besoin d'aide et d'assistance, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Balkan Immigration Services, nous allons pouvoir vous aider. Nous allons, dans une prochaine vidéo, vous parler maintenant des autres catégories de l'autre politique ou des autres politiques d'intérêt public qui comportent également des critères d'admissibilité. Merci de nous avoir suivis. Nous évitons de rendre cette vidéo très longue et donc, Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la notification, partagez la vidéo avec vos frères et, et amis. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Nous sommes Balkan Immigration Services. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.